mes amis, bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. J'espère que vous allez bien en ce fameux jour de Noël. Joyeux Noël à vous, bien évidemment. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Si ce n'est pas le cas, si vous étiez seul, eh bien, il faut peut-être vous dire, c'est peut-être fois bien d'être seul, parce que vous savez, il y a des gens en famille qui ne s'entendent pas trop et quelquefois, c'est un petit peu compliqué dans les familles. Voilà. Donc, je suis de tout cœur avec vous, bien évidemment. Et puis, voilà. Donc, on va faire une vidéo dans quelques minutes concernant Noël au balcon, pacotisons, parce que balcon, parce qu'ici, il fait bon. Mais que en prison, tout simplement parce que je vous avais dit qu'il y aura un basculement, donc d'après mes dires, le 7 et le 23 mars, hein, autant je me rappelle, Pâques n'étant pas loin, enfin j'ai pas les dates sous les yeux, mais je voudrais bien aller voir s'il y aura des emprisonnements, des arrestations, etc. Avant cela, mes amis, on m'a posé des questions hier, on m'a dit que j'avais un joli teint et on voulait savoir comment je faisais pour faire mon teint. Alors écoutez, j'ai pas de royalties, hein, je suis pas une influenceuse make-up, mais je vais vous dire ce que moi je fais. Alors je vous montre, hein, donc c'est, je prends la crème, je vais vous dire comment je fais le matin. Alors ça là c'est de nuit, mais j'en ai deux jours. L'Oréal Paris Edge Perfect Me a Day, jour et nuit, hein, d'accord. D'abord, vous nettoyez bien votre visage, vous mettez votre crème, vous laissez poser un petit moment, d'accord? Ça, vous trouvez dans toutes les grandes surfaces, il n'y a pas de souci, d'accord? Ça, il est très, très bon pour moi. Ensuite, au bout de quoi? Un petit quart d'heure, j'applique ce produit. Alors, ce produit, qu'est-ce que c'est? C'est un primer. Primer, c'est-à-dire vous allez mettre sur la peau et ça va, comment vous dirais-je? Ça va lisser la peau véritablement, voyez, pour les pores et compagnie, ça va la lisser. Et ça, j'ai acheté ça chez Action. Voyez-vous, 1 € et des brouettes. Et ça, c'est, par contre, ça j'adore, hein, c'est très efficace. Une fois que vous l'avez posé sur la peau, vous laissez poser au bien un quart d'heure à peu près, à part si vous allez travailler, ça va être compliqué. Voilà. Ensuite, donc une fois que c'est posé, je mets mon fond de teint. Alors moi, c'est deux révélations, je vous en ai déjà parlé, soit pour le jour ou pour le soir. Celui-ci, donc c'est accord parfait, donc accord nude, hein, parfait nude, d'accord, avec la petite pipette en haut. Très très bien pour la journée. Il y a 1% d'acide hyaluronique, c'est repulpant. Ça, c'est vrai que c'est repulpant. Vous laissez poser, moi je l'applique avec mon éponge, voyez-vous, et je laisse poser. Donc je mets le contour, alors l'anti-cerne, moi je le mets avant de mettre ça, d'accord, parce qu'au moins on voit pas la délimitation. Et vous laissez poser tout simplement, oh, je dirais bien 5 minutes, et puis vous commencez à maquiller les yeux, vous voyez ce que je veux dire, mais vous mettez pas le ricil, hein. Le ricil, vous comprendrez à la fin pourquoi. Alors celui-ci, je le mets le jour, et celui-ci, c'est aussi à corps parfait, voyez-vous, avec 1% d'acide hyaluronique, je le mets pour le soir. Celui-ci étant plus couvrant que celui-ci. Celui-ci, il est beaucoup plus léger. Celui que vous m'avez vu la photo, j'avais celui-ci sur la tronche, voyez-vous, j'avais celui-ci sur la tronche. Donc, vous faites tout votre maquillage, d'accord, vous allez jusqu'au bout, et une fois, mais pas le ricil, hein, vous mettez pas le ricil. Et une fois que c'est fait votre maquillage, j'ai acheté ça chez Action aussi, 1 € et des brouettes, c'est un fix make-up. Et ça, c'est génialissime, ça fait comme une brume, voyez, que vous mettez sur le visage, vous laissez poser, et après, vous faites votre ricil. Mais ça, c'est topissime, ça coûte pas chez Action, c'est pas cher du tout. Mais ça, c'est devenu de, c'est vraiment, c'est mes produits clés, d'accord, c'est mes découvertes à moi. Ah, voilà, ben vous voulez en savoir des choses, hein. Donc, on va aller voir ensemble concernant s'il va y avoir des futures arrestations, pourquoi pas. Donc, vous voyez, ça continue aussi à se taper dessus sur l'UTES, hein, mais il ne va pas y avoir que l'UTES, d'accord? Donc, voilà, oui, je voulais vous dire qu'à midi, là, je me retrouve avec mes papy-mamie, donc je suis hyper heureuse, on va pouvoir passer toute l'après-midi ensemble. On a organisé un petit truc sympa et ça me fait plaisir, ils sont tout contents, enfin, c'est des gens absolument adorables. Si vous avez des papiers autour de chez vous, que vous êtes seul, ben invitez-les chez vous. Hein. Je baisse un petit peu la caméra, les amis, voilà, comme ça. Et on va poser la question, est-ce qu'il va y avoir des arrestations? Donc, au moment de Pâques ou avant Pâques, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y aura des grosses arrestations?
Au fait, je vous avais annoncé qu'il y avait beaucoup de curés, mais ça il y a quelque temps déjà, beaucoup de décès de gens connus. Écoutez, si vous regardez vraiment, ça n'arrête pas. Des acteurs entre la cinquantaine, soixantaine, des gens qui disparaissent jeunes aussi, des acteurs. Voilà, ne ben, vous posez les, pas les bonnes, vous posez-vous les bonnes questions. Hein? Certains, c'est la potion, c'est autre chose, voilà. Ça m'a toujours fait penser à l'histoire, attendez, je pousse ceci, l'histoire de Bogdanov, là, les frères. D'accord, j'avais fait une vidéo sur le sujet. Bizarrement, ils meurent en même temps, il faut arrêter de prendre des gens pour des huîtres. Vous mangez des huîtres, vous, à midi? Alors, vous, nous, il y en aura. Alors, allons-y également. Donc, dites-moi s'il y aura de très, très grosses arrestations. Voilà, dites-moi s'il y aura de très très grosses arrestations. Allez, hop. Alors, dites-moi s'il y aura de très très grosses avant Pâques, hein, donc ou au moment Pâques, enfin voilà, jusqu'à Pâques, est-ce que nous aurons de très très grosses arrestations? On va voir, on va pousser un peu le bouchon un petit peu loin, si vous me permettez, que ce soit la peste aux étoiles ou chez nous, tout simplement. Vous voyez, ils sont dépassés par la situation. Voilà. Alors, allons-y également. De toute façon, il va y avoir des gros problèmes entre communautés. Je vous l'avais déjà annoncé. Et là, ça va continuer, hein. Ça ne s'arrêtera pas. Et je pense que ça va être beaucoup plus méchant encore. Voilà. Bah, écoutez, vous restez chez... Enfin, vous restez chez vous. Il ne faut pas non plus être parano, mais vous voyez ce que je veux dire, vous protégez les vôtres, surtout les enfants, les jeunes, les ados. Hein. Voilà, les ados, les jeunes gens, voilà, avant la trentaine, restez chez vous tranquille. Et si à provocation, vous ne répondez pas. Parce que ça va y avoir tout azimut, ça c'est une évidence. Ça ne sera pas rien à voir avec les gilets qui ont la jaunisse, hein, les enfants. Ça n'aura rien à voir avec ça. D'accord? Donc, est-ce que nous allons avoir de très, très grosses arrestations? D'entrée de jeu, ça me parle du brigaton. Vous voyez? Voilà. Donc, il va, c'est ce que je vous ai dit, il sera tout prêt à changer. Ah, il va faire des coups de force. D'accord? Le brigaton va faire des coups de force avec des sociétés. Là, voilà, pourquoi ça me parle de sociétés. D'accord. Qu'est-ce que ça a à voir avec ça? Alors pour moi, il y a quelque chose qui se fomente actuellement et Bricaton, alors à l'heure actuelle où je vous parle, tenez-vous bien, Bricaton est en train de préparer la riposte contre les gens qu'il a lui-même défendus. Vous savez, tout ça. Donc parce que ça sort et ça sortira, ça ne va pas s'arrêter comme ça. Et Bricaton est en train de préparer une riposte en disant oh oui, je vous ai défendu, et puis lui, voyez-vous ce que je veux dire, et il va leur mettre un gros coup de couteau dans le dos. Parce que là, j'ai bien quelque chose qui part à la manœuvre et à l'action. C'est à l'action quand quelque chose de partenariat, si vous voulez, entre deux systèmes, deux symboliques. Il y a bien une autre action ici, mais là, j'ai vraiment. Quelque chose qui part à la manœuvre contre, et là ça me parle de building bien évidemment, des gens qui sont là depuis des lustres, voyez-vous, qui étaient là même depuis de très très longs lustres, et soudainement il va changer son fusil d'épaule. Je vous rappelle, alors c'est pour vous dire, mais je crois que je vous l'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais plus, Bricaton est un usurpateur pour les cercles de pouvoir, d'accord? C'est une nouvelle que j'ai eue par une de nos amies. C'est un usurpateur. Il se donne une posture, il fait du théâtre, mais en aucun cas, c'est pour ça qu'il fait n'importe quoi, parce que s'il avait une minimum de sens, comment vous dirais-je, de sens caché, parce qu'il ne connaît pas, il ne sait pas, il n'est pas du tout initié à quoi que ce soit. Alors, 8 d'épée, hey. Il y a bien quelque chose qui est en train de se fomenter contre plusieurs personnes. Ça ne me parle pas que de la peste aux étoiles, ça me parle chez nous aussi, les enfants. D'accord? Alors, pour moi, il y a
Il y a vraiment quelque chose qui se fomente contre, et là ça me parle des gamins hein, en plus. Ça me parle des gamines plutôt, et ça me parle quelque chose qui est peut-être à l'éducation dite nationale ou dans le pourtour, où on va se rendre compte qu'il y a des manœuvres de propa.gande. Ah ben vous savez, le woke qui n'a plus d'éisme et compagnie, vous savez, tout ce qu'on veut nous imposer, vous n'avez plus le droit d'avoir la crèche, voyez-vous. Ouais, évidemment, toute notre histoire est en train de partir en vrille. Alors, ici, il y a une bonne femme qui va être arrêtée. Excusez-moi, hein, les enfants, je sors une timbrée. Donc, il y a bien une timbrée qui va être arrêtée, une folle, une furie. Je vous le dis en amont, hein, c'est pas pour tout de suite, hein, mais d'ici pas, qu'il devrait y avoir quelque chose contre une bonne femme qui a avoir, ben écoutez, elle a au minimum une famille, ça c'est une certitude. Là, je vous dis, où elle s'occupe de la famille, où elle s'occupe, mais elle va devoir rendre compte. Alors, pour moi, là, j'ai. Alors, écoutez, moi, je vais juste vous dire le prénom. Parce que là, ça commence un peu à arriver. Une certaine Marlène, ne me dites pas le nom en commentaire. Ça vous va, qui était présente depuis le départ. Là, d'accord? Voilà. Donc, une certaine Marlène, qui chichichichia ou pas, d'accord? Voilà, vous avez compris. Donc, si vous voulez, qui risque d'avoir de gros problèmes et qui va devoir rendre des comptes. Apparemment, on va la prendre comme bouc fusible ou bouc émissaire. Marquez, elle pourra continuer à écrire des scénarios bien, bien petits cochons. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Mais par contre, je la vois. Alors, elle ne sera pas la seule, hein, prise dans la tourmente. Il y en aura d'autres, mais elle sera bien dans l'embarras parce que, si vous voulez, elle ne connaît pas son job. Elle était là uniquement pour la caméra. Et donc, mais derrière, il y a des responsabilités et elle en portera le poids, elle, mais les autres aussi, parce que j'en vois quelques-unes là. Vous savez, des petites Eva Braun, d'accord, Raleigh Braun, voilà. Je vous rappelle que ces gens-là, le hic qui en avait l'air, c'était des socialos. Je suis désolée, mais c'est la réalité, voilà. Alors aujourd'hui, quand on voit ce genre de personnes, on comprend mieux le niveau intellectuel actuel. Voilà. Oui, ou pourquoi on en est là aujourd'hui, puisque, excusez-moi. Oui, bah écoutez, je les aime pas. Voilà, de toute façon, comme il se comporte actuellement, on n'a plus le droit de rien, de se la fermer. Alors, là, ça me dit clairement, il y a quelque chose. Oh, il y a quelque chose qui va arriver. Ouais. Là, pour moi, il y a vraiment des. Il y a entre les banques, entre ces sociétés, rien ne va plus, si vous voulez. Et pour moi, il y a une trahison qui va être organisée contre des élites. Voilà. C'est bien à la manœuvre, c'est encore caché d'ailleurs. Pour moi, si vous voulez, c'est comme s'il y avait un vaste coup de filet, d'accord, contre des gens qui ont œuvré contre notre beau pays. On a toujours le conseil de Dédé Fanfan Seseux, hein, je vous rappelle. Donc voilà, et la communication passera pas. C'est-à-dire que ça arrivera d'un coup, il n'y aura aucune communication, mais après, ils ne communiqueront pas sur le sujet. Mais je vois. Comment vous dirais-je? Parce que le véreux, il se dit qu'il va s'en sortir, mais je vous promets que non dans l'avenir. Hein, il ne s'en sortira pas parce qu'il faudra qu'il explique beaucoup de choses. Je vous rappelle aussi qu'à l'étranger, pas cause comment du bidon, ben, je pense à la Floride, mais il y a des tas de procédures qui courent pour tout ce qui était la potion et compagnie, les décisions qui ont été prises pour mettre les gens en conconfinement. D'accord? Voilà, on confie, oui, carrément, à la chinoiserie, quoi. D'accord? Voilà. Donc, ensuite, d'accord, c'est. Bon, apparemment, c'est bien dans l'entourage du Bricaton. Je vous le dis, hein. C'est bien dans l'entourage du Bricaton. Donc, il y aura bien des arrestations à un moment donné. On va voir ça, on va attendre, hein, tout bêtement, gentiment. Le projet est amorcé samedi. Et là, donc. C'est pas l'extérieur, c'est chez nous, les enfants. C'est bien chez nous, hein, et puis ça concernera de l'argent. En fait, c'est de l'argent qui a été utilisé
D'accord, soi-disant pour donner aux autres, mais qu'ils auront gardé pour eux. Ça vous va? Ce sera de l'arnaque, hein, ni plus ni moins, qui aura été organisée par l'entourage du Bricaton. Il y en aura, j'ai vu que ça commence à péter. Enfin, ils peuvent se la péter, si vous voulez, avec un médecin dit urgentiste qui fait des révélations que tous ces gens n'ont jamais pris de la potion, mais de la chloroquine. Voilà. Donc, écoutez, laissons voir, hein. On va laisser voir. Voilà. Je vous rappelle qu'au mois de janvier, ils veulent couper les crédits, hein. D'accord? On est bien clair sur le sujet. Alors, la justice, ben, je vous en ai parlé, hein. Justice, justice, bon, du peuple, bon, ça c'est une évidence. Des gens qui ont pris des décisions, ben, là, j'ai carrément la tôle, hein, les enfants. J'ai vraiment la tôle, la tôle, la tôle, la tôle, d'accord? Et là, ça me parle sincèrement des familles. Donc, il y aura pour moi ces gens qui ont fait des choses pas très cool, vont commencer à. C'est pour ça qu'il faut. Je vous ai parlé de 4 ans, les amis, mais il faut pas voir les choses négativement. Il va y avoir là, je vous avais dit 2022, c'est l'année des révélations. Pour moi, la 2023, donc on rentre dans une phase, l'année 7 pour moi est très importante et c'est pour moi le chariot d'Hermès, donc qui veut dire clairement le 3 la compose, le 5, non, le 3 le gouverne, le 5 la compose, le 7 le rend parfait. Donc on va rentrer dans une phase où il y aura des révélations les unes derrière les autres et effectivement, mois de mars, là, ça devrait chauffer un petit peu, pas chauffer dans la rue, mais chauffer contre ces élites, hein, je parle d'élites, qui vont vraiment chaud et peur de tout azimut, parce que la justice s'en mêle, et là, pour moi, j'ai une arrestation, j'ai le roi d'épée avec le 7 de bâton, et voyez, l'homme est en tôle, voilà, donc pour moi, mais ce sera pas le seul, je vois Marlène avoir de sérieux problèmes, il faudra qu'elle s'explique par rapport à comment vous dirais-je, des tourtournements. D'accord? Voilà. Enfin, on a piqué le pognon, quoi. Voilà. Donc ça, c'est une certitude. Joyeux Noël. Da-la-la. Un aller-retour, voyez-vous. Celle-là aussi, on va lui faire remonter son string. Donc, voilà. Donc, attendez. Alors là, j'ai les familles. La mort. Donc, ah! D'accord. Eh bien là, écoutez-moi, s'agit bien par rapport au nombre de gens qui sont décédés. Vous savez, vu, je vous avais parlé d'une étude qui a été faite en Allemagne, disant que ça avait été augmenté entre 1000 et 1673% de plus de décès au moment de la potion. D'accord? Donc, effectivement, ça arrive. Ça arrive et pour moi, il y a vraiment des blocages et là, il y a quelque chose qui va se mettre en place. Ils auront beau essayer d'acheter les gens, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera plus, ça ne marchera pas parce qu'ils se rendront compte qu'ils sont pris au piège entre un monde qui voulait nous imposer, vous savez, avec la globalité, etc. Et entre le monde qui est réel, qui arrive, cette fameuse évolution, mais ils sont plus du tout dans l'évolution, ces canards boiteux. Ils sont dans l'involution, c'est-à-dire que leur système, c'est ce que je vous avais dit à plusieurs reprises, leur système est déjà mort avant de commencer. Vous savez, le Schwab et le sort qui n'a plus d'os, vous savez, voilà. Ils voulaient mettre ce système de la globalité en place et je vous ai dit que ça ne marcherait pas parce que c'était déjà obsolète, les amis. Vous comprenez? C'était vraiment déjà obsolète. Donc, ils vont continuer dans leur. C'est un peu comme les éoles hyènes, vous comprenez? Voilà, c'est un peu comme ça, si vous voulez, on sait très bien que ça ne marche pas, ou tout au moins ça marche peu, donc c'est pareil, ils veulent nous imposer, parce que c'est les germans qui sont chez nous, dans tous les sinistères, pour nous faire capoter avec notre nucléaire, qui est bien R, notre nucléaire plutôt. Et donc, si vous voulez, c'est eux qui prennent les décisions et qui disent aux sinistres, vous faites ça, ça, ça. D'accord? C'est bien le hit qui en avait l'air. Nous sommes chez les socialos. Voilà. Bon, écoutez-moi, je dis ce qu'il en est. D'accord? Les enfants, pourquoi? Donc, les familles, hein, grosso modo. Donc, pour moi, je vais avoir aussi des dénonciations
C'est comme s'il y avait des plaintes par rapport aux écoles. Voyez-vous, je vous avais dit qu'ils voulaient arrêter les écoles. Bon, ils les laissent mourir de leur propre mort. On ferme de plus en plus d'écoles, comme les hôpitaux, du reste. Hein, c'est exactement la même chose. Mais il y a un scandale qui arrive, ça je vous le dis, où ça ne passera plus du tout avec la population. Donc effectivement, les gens. Alors c'est pas du tout les gilets qui ont la jaunisse. Je veux dire que les gens vont s'émanciper de toutes ces guignoleries que l'on voit sur les plateaux. Là, ça part à. Bon, bah, écoutez-moi. Alors, vous savez, je vous avais parlé de rituels kabbalistiques. Kabbalistiques, non, sataniques, pardon. C'est pas la même chose. Rituels sataniques. Je sais que Bricaton a une personne qui fait des rituels auprès de lui. Je peux vous le dire, hein, parce que je le sais. Je connais son nom. Je sais qui elle est à l'œuvre. Mais est-elle assez puissante? That's a question. Voilà. Donc là, pour moi, leur rituel satanique, c'est la fin, ils n'y arrivent pas. D'accord? Donc, on va pas se languir, on va pas se prendre la tête, regardons, mais par contre, au niveau des écoles, il va se produire un effet au niveau des écoles. D'accord? Ensuite, ici, donc pour moi, j'ai des arrestations. J'ai des arrestations, une, avoir beaucoup de problèmes d'explication, c'est la Marlène. Ça, c'est sûr. D'autres nanas aussi au sein de Bricaton, ça, c'est sûr. Donc, là, en fait, c'est marrant parce que il va tenter un coup de force, l'autre pomme. Vous savez, ben, il y a la briquette, le Bricaton, enfin, la cohorte. Là, j'ai carrément une mutation financière. Oh là 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 là. Ah ben regardez, alors là on y est bien les enfants. Hein? Oh! Alors là je vous dirais, je vous ai dit qu'il y aurait des problèmes dans toutes les vidéos que j'ai faites, il y aurait des problèmes, mais surtout en fin d'année, voyez-vous, d'accord? Et là je peux vous le dire, oh vérité je vous le dis, donc ils n'arriveront pas, là il y a un changement brutal avec, ben ils vont être seuls, hein, ils vont être esseulés là-haut dans leur tour d'ivoire, et là je peux vous dire, regardez les ennemis, ça vole en éclats. D'accord? Pour moi, alors je me répète, il y a vraiment, pour moi l'histoire du PNF, d'accord, ça vous parle? Pour moi l'histoire du PNF, il n'y a pas que ce qu'on a, de ce qu'ils veulent bien dire, d'accord? Il y a d'autres choses plus importantes. Et excusez-moi les enfants, je ne sais pas comment vous dire les choses. Faut que je réfléchisse comment je peux vous dire les choses, parce que l'histoire des communautés, c'est très grave. Et il y a actuellement une énorme infiltration dans notre beau pays par un pays qui est dirigé par un monsieur Erdo, point, 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 Gan. Ça vous va? Voilà. C'est compliqué à dire, hein, les enfants. Attendez, avant, je vais peut-être prendre celui-ci, vous savez, l'oracle politiquement incorrect, parce que lui, il répond assez bien aussi. D'accord? Enfin, chez Ciel et Terre, hein. Vous avez la boutique dans la barre de description, vous avez la boutique un peu de partout, voyez-vous, etc. Hop! Alors, va-t-il y avoir des arrestations, donc avant Pâques, là, ou au moment Pâques, ou enfin, qu'importe, pourvu qu'on se marre, nous, hein, vous savez ce que je vous dis, hein. Prenez un petit schnaps, vous savez pas ce que c'est en Alsace, un petit schnaps, voilà, vous prenez un petit Dijon, d'accord, un alcool fort. Voilà, vous tapez trois coups par terre et c'est au théâtre ce soir. D'accord? Alors, dites-moi par rapport, va-t-il y avoir des arrestations? Tout simplement, hein, hop, va-t-il y avoir des arrestations d'ici Pâques? Ou au moment de Pâques, enfin, c'est dans les environs, on n'est pas 3 secondes près, hein. Voilà, va-t-il y avoir des arrestations? Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Alors là, bon, ben apparemment, il va y avoir quand même. Ah oui. Disons qu'il y a des gens qui vont se retrouver. Alors, excusez-moi les amis, mais là, il faut être correct. Donc là, pour moi, si vous voulez, il y a des gens qui vont se retrouver au-delà de la. De l'appauvrissement. Et là, ils vont sortir. Vous savez, quand M. Bricaton n'a pas compris, tous les dirigeants avant avaient compris ça.
au plus vous, comment vous dirais-je, au plus vous appauvrissez votre peuple, si votre peuple a faim, il n'y a plus aucune limite. Vous avez compris? Voilà. Donc ça, ils n'ont pas compris, mais là, apparemment, ça choque de ce côté-là. Il y a des gens qui n'auront plus de quoi manger et compagnie. En direction sécurité, ben écoutez, c'est ce qu'on vous dit. Ben écoutez, c'est ce que je vous dis aussi depuis le départ. Là, ça me répond pas. Ça me répond plus pour vous-même, en fait. Ça me dit, il est temps de vous retrouver entre vous dans une direction de la sécurité. Vous avez compris ce que je suis en train de vous dire? Au niveau de la sécurité, que ce soit vos enfants, vos amis ou autres, il faut vous regrouper et vous mettre en sécurité, parce qu'on va rentrer dans une phase d'insécurité. D'accord? Mais ça fait plusieurs fois que je l'affirme. Bon, ben écoutez, voilà. Ben maintenant, vous avez compris pourquoi ils vont y avoir des problèmes. Mensonges par rapport, guerre ici, par rapport à maladie. Je vous fais pas de dessin, vous avez compris. D'accord? Ben écoutez, là, pour moi, le peuple qui n'a plus rien dans le ventre, eh ben, va sortir du bois. Hein? D'accord? Ils ne vont pas rester à attendre. Oh, ça va être chaud, hein, les enfants, quand même. Hein? Ça va être chaud, 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 chaud. Ben, l'humain direction mensonge, c'est-à-dire les amis, vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas encore compris qu'on les mettait dans le mensonge, d'accord? On vous met véritablement dans le mensonge pour mieux vous faire croire des choses qui n'existent pas. C'est plus facile, on va vous parler maintenant d'éco et puis de faire d'éco-bobo, vous savez, de faire attention et compagnie. Je vous dirai, c'est encore des carabistouilles, on veut simplement vous enfermer. D'accord? Là, c'est une certitude. Hein? Voilà. Et puis, vous empêcher d'être propriétaire, vous empêcher de vivre tout simplement. Bon, bah, écoutez, là, ils vont parler d'une autre maladie pour empêcher les gens de manifester. Parce qu'il n'y a plus personne pour la sécurité. Je vois, à un moment donné, je vais vous le dire. Alors vous savez que j'ai toujours de l'affection pour les policiers, les gendarmes et les militaires, je l'ai toujours dit, je ne change pas mon cap. Mais je vais vous dire là, c'est comme si d'un seul coup, la police ou la gendarmerie ou les milipointères décidaient de ne plus rentrer dans la danse et laisser le peuple ou la populace réagir. Vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de vous faire comprendre. Donc, ma résultante, il va y avoir des choses qui vont se passer. C'est pas des petites révélations là qui arrivent sur la table. Tout azimut, là ça va avoir un gros bins. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et donc d'ici le Pâques, là il va se passer. Alors j'ai pas dit qu'on va arrêter Bricaton non plus, hein? On est bien clair. Mais l'entourage va être mis à mal par des révélations. Pourquoi? Parce que les journaleux qui se croyaient à l'abri, ben ils ne sont plus à l'abri. Donc forcément, ils vont sortir tous leurs secrets qu'ils ont. Vous comprenez? Donc quelque part, c'est un mal pour un bien. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Ben voilà ce qu'on pouvait dire sur cette vidéo Noël au balcon, Pâques en prison. Et puis je vais vous dire quelque part, je crois qu'on n'a pas fini de se marrer si vous voulez bien. D'accord? En tout cas, merci pour vos pouces bleus, vos likes, vos partages et les abonnements. Moi, je vous souhaite quand même un joyeux Noël du plus profond de mon cœur. Je vais vite aller retrouver ma petite équipe là-bas qui m'attend pour tout préparer pour mes papis, mamie. Vous savez que pour moi, c'est vital tout ça. D'accord? Je vous embrasse fort et à bientôt. Bye bye!